Bon allez les gars, il me reste un boss, et après on découvre The Witcher 3. Normalement, ça me prendra une petite demi-heure, et comme ça, on sera bien. Et après, on sera au top. Bon, il faut que je me remette dedans, parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué. Et là, j'avoue que je risque d'être un petit peu du père. Donc comme d'hab, on est à poil, on joue avec les chakrams. On a notre petit casque qui nous donne un peu de foi pour augmenter nos dégâts. Ça y va. On regardera la vidéo de Vativida à la fin du DLC. Ouais, s'il y a des sous-titres français, ouais, pourquoi pas. À part toi, je serai, il n'y a personne intéressé pour faire des règles, des streams. Ouais, je veux pas attaquer. Nintendo Direct E3, jamais. Il n'y a que moi, frère. Je suis déjà mort. Ouais, attends, je suis du père là. Faut que je me rappelle de ce qu'il fait. Il y a que moi qui pourrais regarder ça hein, comme conférence. Ah merde, ok. Faut te remettre en forme sur des mobs baladant en open world, je sais pas si t'as déjà tout fait. J'ai tout fait. J'ai fait tout le jeu, j'ai dit. J'ai fait 100% du jeu. J'ai fait tous les donjons. J'ai fait tous les boss. Là, il me reste que lui. Il ne me reste que lui. Hein. J'ai tué avec la lance de Mog pour venger Mog. Grand respect à toi. J'ai du mal à éviter encore. Oh merde, c'était trop tôt. Merde, sauter. Est-ce que j'aurai le temps de courir? Ouais, je me disais bien là, j'avais pas le temps de courir, j'ai couru trop tard. Oh merde! Oh, abuse. Oh, ça a mis que un. Je suis mort. Ça a mis que un coup sur les deux coups à chaque fois. Quand même pas sans P2. À chaque fois, mes chakrams, ils mettent pas les deux coups. Ça rend trop ouf. Mais niveau 1 sans stuff. Niveau 1 sans stuff, c'est-à-dire tu mets quoi? Des patates juste? Le boss, tu mets des... Moyen de changer ta cam de place. Ah oui, si tu veux. C'est vrai. Bien vu. Ils ont une arme mais tout nu. Ah oui, ça va alors. Une arme tout nu, c'est ok. Là j'ai couru assez tôt, donc là j'ai juste à cavaler. Non, je me fais pas toucher. Oh. Aïe. Thank you.
Ah, oh, j'ai pas le temps de roll ça. Il existe, attends, il existe quoi? Et chaque rame drop up sur un mob, ils appliquent saignement de base, ça peut t'aider. Ouais, peut-être, mais j'aime bien cela. Mais je trouve qu'ils font des bons dégâts. En fait, je trouve qu'ils font vraiment grand mal. Ça whiff, je joue deck, ça m'en fout. Ah bah en vrai, les deux chakrams, ils whiffent aussi un petit peu. Donc ceux-ci, ils font vraiment vraiment mal. Après, j'ai aussi mon gros katana. J'ai mes gros katana, donc attendez. Mais je mets par puissance d'attaque. J'ai le grand gourdin, qui est mon arme la plus forte, évidemment. Hein. Le grand gourdin qui est absolument OP. J'ai les haches, je mets... Attends, mais c'est celle-là qui fait plus de dégâts? Attends, mais j'ai... Mes haches font plus de dégâts? What the fuck? Mes chakrams font aussi peu de dégâts? Bon. Mal ça. Ça fait beaucoup plus mes chakrams. Elles ont été nerfs les haches. Bah apparemment non, elles font vraiment mal. Hein. Je voulais tester un build en plus avec, avec ça. Je voulais tester un truc. Après j'ai le grand katana chasseur de dragon. J'ai aussi l'espadon de la damnation. Qui est aussi une arme de fou. J'ai le grand katana de Rakshaza. Ah oui, j'avais l'euphorie aussi qui est une arme de taré. Qui est assez cool. Pourquoi ça scale en... Mais les chakrams ils ont pris un scaling intelligence. Non, il y avait pas le scaling intel avant. Non? Pourquoi il y a un scaling intel là-dessus? Ah ouais, il y avait déjà? Ok, my bad. Parce que je vais tester les haches jumelles du chevalier de la mort. Je sais pas ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment fort? Lame revers, t'aimes pas? Bah du coup, c'est des lames revers. Mes chakrams, c'est des lames revers. Comme ça a l'air mieux hein. Ah trop tôt. Oui. Les chakrams c'est mieux. Mais eux c'est exécrable comme scaling. Ouais le E c'est pas ouf. Sachant ce que tu mets en cendre. Oui je sais, je sais. Non le chakram c'était bien. Le chakram je mets bien. J'ai fait le tout le katana en double. Enfin en double katana Dex Ent. Dex in. Ah oui c'est très bien hein. C'est très bien hein. Je crois que tu gérais vraiment bien la P1, bah regarde là. Regarde la P1 elle est gérée. Je me fais pas toucher hein. Ah un petit freeze. Un autre petit freeze. P1, je vous ai dit hein. La P1 c'est fine. Les armures ajoutent tellement rien, je le dis. Les armures c'est abusé comme ça te fait tanker hein. Mais vraiment abusé hein. Je peux prendre facilement deux coups de plus si je mets des armures. J'ai testé Chant, mais c'est ridicule. Oh. Mais quoi? Ah ça c'est abusé ça. Alpha avec l'armure de Mour, il tankait 6-7 coups. Pas mal 6-7 coups, hein. Ah, mais j'avoue que Malenia. Malenia qui s'étape contre Radahn Prime, grande force elle, hein. Si elle avait pas utilisé le poison contre Radahn, hein. Comment elle serait fait arracher, hein. Malenia, en fait, c'est un personnage fourbe. Alors que Radahn, vrai bonhomme. Merde. Ça même.
C'est le grave le plus facile à éviter du jeu, hein, vraiment. Oi. Oula. Non, putain. J'ai trop voulu heal dans le tas, mais en fait, Radahn, t'as pas le droit de reculer. Radahn, tu dois vraiment y aller en full all-in. Il a combien de skills de l'arbre occulte? Je connais bien. J'ai 18. J'ai 19, je crois. J'ai une vidéo où Midra examine tous les boss du jeu principal. Quoi? Comment ça? Midra, il est gaze en plus. Le grave, ça fait quoi? Si t'en prends deux, tu meurs, je crois. C'est ça, Mikaela t'attrape et te fait un gros bisou bisou. Ah non, c'est in. Ah, ça c'est in. Ça va, ça a évité maintenant. J'ai capté comment ça marche. Oh putain, ça a beaucoup plus que prévu. Ah. Ça va. Pas le temps d'âge ça. Oui, oui. Ok. Là, par contre, t'as vraiment pas le droit de te prendre le hit, hein. C'est force de mettre l'alarme qui te fait régène sur les coups que tu fais. En fait, ça sert à rien. Dans tous les cas, elle me régène. Ça me régénera pas assez pour me. Pour me sauver la vie. Alors, j'ai mis quoi? Ouais, j'ai ça. J'ai mis les trucs de... d'attaque successive. Mais moi je voulais faire un build berserker en mode full stuff Rakshasa. Ah. Par contre ça pardonne pas, je prends deux coups, je meurs instant. C'est très vénère. Oh, merci pour ces patterns par contre, hein. Ces patterns là c'est gratuit. J'ai pas le temps d'avancer là. Oh oui. J'ai le temps de reculer. Je pensais pas qu'il allait me faire ça maintenant. Je voulais reculer là pour me soigner. Dans la vidéo d'intro du jeu, Malenia se transforme en bombe nucléaire pour avoir un semblant d'égalité contre Radahn même pas à fond. C'est vrai, hein, tu la vois dans la vidéo du jeu qu'elle est en. Elle est en transpi alors que Radahn il est droit debout devant elle en mode je suis le GOAT. Bon d'accord, Radahn c'est le fils de Marika, non? Non. C'est... Attends. Radahn c'est le fils de... De Radagon et Marika. C'est ça. Le fils de Marika quoi.
ça là. Ce coup là il m'en ouf. Ah mort. Ah c'est Renala, c'est le fils de Renala et pas Marika. Ah. De Dragon et Renala, ok. Et du coup ça veut dire que c'est le demi-frère de Mikaela. Et Radagon égale Marika, oui c'est vrai, mais Radagon égale Marika donc forcément... Ouh, Mikaela est totalement incestueux. Ça, mais comment tu le sais, frère? Mais au fait, c'est impossible. Consort, c'est pas époux. Ouais. Ouais. C'est quoi exactement consort du coup? Pourquoi tu me tapes d'ici, toi? Ah, bon, ça, ok. Prends respect à toi. Bon. Non? Ah, c'est vrai que le truc au sol, ça va. Putain, je pensais le faire passer en P2 comme ça. Samouraï c'est bien, Samouraï c'est très bien. C'est la meilleure classe pour commencer, non. Après c'est la classe la plus forte pour commencer. En anglais tu apprends que Mélina est la sœur de Mesmer. En français zéro info. C'est fake ça, hein. J'ai vu le truc de la potion de Mesmer. C'est fake, ça dit juste que comme sa sœur, enfin que lui aussi il a des trucs de feu, des volontés de flamme, je sais pas quoi. Mais je crois que c'est fake, hein. Oh oui, ok. Bah, je pensais pour tanker un coup. Je pensais pour tanker un coup de plus. J'étais dans le bois, je tape. Il me tape, c'est pas grave. Je grille mon coup de plus. C'est ok. Tu vois, c'est comme Rani. Rani, on lui a donné la bague, tu vois. Et on est devenu le consort de Rani dans le jeu. Donc on est un petit peu le mari de Rani dans l'idée. Du coup, Radan, Mikaela, c'est la même. C'est un dodge-up cette merde. Oh non, ça, j'ai pas l'air de le prendre, ça par contre. J'ai pas le temps de roll. Ouah, ça par contre, ça fait mal, hein. Pas P2? Oui. Non, je voulais le taper pour le faire passer en P2. Alors ça, je me sors après pour la bague. On sait l'intérêt derrière. Bah quoi, c'est... C'est quoi la bague du coup? C'est quoi l'intérêt de la bague? Il y aura un jour un arc Madame Peur Road to Master. Oh là, c'est pas prévu là. Un consort, c'est le souverain qui donne plein pouvoir en le faisant passer par son époux. C'est peut-être un peu un faux mariage. Ouais. Appuyer. Ah ouais, c'est ça.
Mais ça, je le prends jamais normalement. Ok. Il me semblait. Arrête, arrête. Oh. En fait, le truc, c'est que si je roll pas le truc de l'explosion, enfin, si je roll pas l'explosion au sol, je suis obligé de. Je meurs, donc je suis obligé de roll. Après, j'aurais pu roll arrière peut-être. Non, roll arrière, je serais mort quand même. Oh, il aurait fallu que je delay un petit peu le truc, j'imagine. Sur manette, ouais, je joue sur manette. Finir dans 14 minutes en gros, mais là il est mort dans 14 minutes hein. Regarde les dégâts que je colle. Ok, faut roll à gauche. Ok. Comment je prends ça? Je prends jamais ça, non. Là, je sais, je vais me soigner. Pas le taper, c'est pas grave. Ça, faut vraiment que j'arrive à comprendre le truc. Est-ce que je roll full in? Je sais dans le full in. J'ai l'impression que Radahn overall, c'est vraiment du full in en boucle. Après, le problème, c'est quand je commence à prendre un coup, je prends l'explosion, je prends le deuxième coup après. C'est vraiment dur de tanker ça. Surtout, je me fais un peu OS, quoi. Donc, enfin, je ne mets pas OS, mais disons que je suis à poil, là. Aïe. Parfois, je prends un peu cher, quand même. Ah, je fais l'explosion, fuck. Ok, on y va. Nice. Parfait. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est du bonheur quand il fait ça. Ça aussi, c'est du bonheur ça. Tranquille. La claire, quelle fois, bah les couilles derrière la manette. Ok, mais c'est quoi le débat là? Je comprends pas. D'ailleurs, donnez pas de conseils, hein, j'en ai rien à foutre de vos conseils. Hein. Juste. En fait, vous pouvez donner des suppositions, mais pas de conseils genre mode il faut faire ci, il faut faire ça, j'en ai rien à foutre. Oh, je veux pas taper là? Ok. De toute façon, je lis pas quand je suis en fight, les gars. Oui. En fait, les premiers coups font pas si mal que ça. C'est le dernier coup qui fait mal. Les 4 coups là, quand il va du ciel, ça va. C'est vraiment la fin des trucs. En gros, s'il fait coup circulaire ou s'il fait coup vers le sol, en gros, je sais ce qu'il fait. Juste, j'ai encore du mal à savoir ce qu'il va faire en fait juste après ces 4 coups. Ah, j'ai vu aussi que Radahn pouvait se faire stun. J'ai testé un try avec Grand Katana. C'était n'importe quoi. Tu fais saigner, tu le stun, tu peux le mettre stagger. C'est trop OP. Mais vraiment, c'est trop OP.
Du coup, j'étais en mode, je vais pas jouer comme ça. Parce que je pense que c'est trop facile. Parce que là, mon arme, je fais mal, tu vois. Mais y'a rien. Genre, y'a pas saignement. Y'a pas d'altération d'état. Y'a rien. Y'a juste des dégâts bruts. Tu tapes, dégâts bruts, c'est tout. Mais par contre, je fais mal. Ça, je peux pas le retirer, je fais très mal. Tu fais difficilement plus de dégâts que moi, je pense. Mais tu vois, comment je le prends ça? Ça en trouve quand il tape dans le vent. Encore ? J'aurais pu le prendre pour la forme. Aïe. Dead ? Non. Ah, l'explosion. Oh là. Alors qu'il en vif ? Oh non, ça c'est... J'ai le temps de roll, je me full heal. Oh quoi ? Encore ? Je suis trop dans la mer, je crois. Non, ça va. Oh non, je suis mort. Putain, ça c'est horrible. Quand je prends le deuxième coup d'arrière, je suis mort instant. 3 hits. Et pourquoi le prochain stream FF14 ? Je sais pas trop, là j'ai fini le contenu de Dantrail. Donc j'ai fini l'extension, la main story quest. Et j'ai farm une quinzaine de fois les deux extrêmes. J'avoue que je sais pas trop quoi vous streamer si je fais ça quoi. Il a fait bug, il est pas passé P2. Comment ça il est pas passé P2? T'es sûr qu'il est passé P2? Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait que des attaques de P2 là. Il est déchiré ou quoi? Il a donné son avis sur Dantrail, incroyable. Extension de fou, histoire trop bien. Moi j'ai adoré Dantrail. Et en plus, c'est la première fois que je fais les extrêmes à la sortie. Et je trouve ça trop agréable. Merde. Aïe. Oh là, j'ai tout pris là. J'ai fait le dog. Les instants sont plus difficiles que les formes d'extension, ça fait plaisir. Ouais, je suis d'accord. Au moins, il y a un défi même dans le jeu de base. Il y a un défi. C'est ça qui est cool. C'est un gros stream aujourd'hui. Ça va pas être un énorme stream aujourd'hui parce qu'il y a les IMI et TFT, donc l'équivalent des IMI et TFT aujourd'hui. Donc j'aimerais bien regarder un peu pour soutenir Volta, sachant que si jamais il fait top 3 ou 4, je crois qu'il se qualifie direct au World. Donc c'est plutôt cool quoi. Mais ça, comment je le prends ça? Comment? Comme dirait le dop. Oh, faut que je me soigne vite. Pas de bisous aujourd'hui. Non, j'ai reculé. Je suis tellement mort. Oh, le chien! Il m'a tellement enchaîné! Je trouve quand même que je suis un peu globalement déçu du DLC. Je trouvais qu'il y a beaucoup de noir vide. Au pire, quand t'avais un loot, c'est un vieux muguet ou une pierre de forge. Il y a beaucoup de muguets, je suis d'accord, dans les genres de palanquins un peu bizarres là, dans les zones. Mais les muguets, bah, ça sert à certaines personnes, j'imagine. Les pierres de forge, bah oui, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Mais dans l'idée, il y a eu quand même énormément de nouvelles armes que je trouve incroyables à tester sur le DLC. Moi franchement c'est surtout ça qui m'a conquis. C'est la diversité d'armes qu'il y a, c'est ridicule. J'ai jamais fait un Souls-like en changeant d'arme de base. Parce que moi je suis en OTP, oula. D'habitude je suis en OTP et là j'ai vraiment joué énormément d'armes. Ah mais ça fait longtemps que tu m'as fait ça tiens. Moi je trouve que le DLC est exceptionnel, rien que pour ça.
Elle frime pas abonné qui peut pas mettre les l'émote. Bref, ça fait mal hein. Mais je trouve que le jeu est pas vide du tout par contre. Moi je suis pas d'accord avec la vie et le jeu est vide. Je trouve que le jeu il y a tellement de trucs. Oula, oula. Ok, ça me va. Voilà, petit lag. Petit freeze, pitié. Ça va ça. Non, une grave. Trop lent pour lui. Aïe. Non, j'étais trop lent pour lui, fuck. Les DLC de Witcher, une dinguerie aussi. Ouais, j'ai pris l'édition, mais en gros, en ce moment, il y a les soldes de Steam. Et j'ai pris l'édition complète, j'ai les deux DLC de The Witcher et j'ai le jeu de base, je l'ai eu pour 12€. Bon, c'est cool. The Witcher sera pour d'un moment là, c'est le prochain trail là, regardez. Là il tombe là sur ce trail là. C'est juste le temps que je me réveille un peu là, c'est bon. Sinon vous aurez jamais eu l'Arc The Witcher hein. Il y aurait pas eu les Soul Steam hein. Jamais l'Arc The Witcher hein. Voilà je le dis hein. Ah, c'est pas ce trail. Il y a des coups de chakram qui partent dans le vide, ça rend trop ouf. Après quand ça touche, ça fait trop mal mes frères. Quand ça touche pas comme ça, fout le démon. Oui. Oh non, non. Ouais, j'ai vu lui t'arriver dans ma gueule là, j'avoue. Oula. Non, j'ai roll trop tôt. J'ai pu me mettre une potion là, j'ai grid. Je suis loin. J'ai pas le temps de potion. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas roll. Je l'avais. Ok, c'est fine. J'avoue, tu lances même pas les chakrams autant jouer les autres en vrai. Mais je sais pas s'ils font plus mal les autres. Après les autres mettent du saignement. Le saignement ça fait trop de dégâts. Le saignement, no fake, je trouve que c'est cracopé. Pour avoir joué saignement sur ma run de base, je pense que le jeu je l'aurais jamais fini si j'avais pas le saignement sur mes katanas hein, dans le jeu. La plupart des altérations sont cracopées, ouais. C'est vrai que la plupart des altérations sont assez broken. En fait, tout est broken dans Elden Ring, c'est ça que les gens comprennent pas. Tout est OP. Regarde, là je fais trop de dégâts, c'est OP. Y'en a qui ont du saignement, c'est OP. Y'en a qui ont du stun, c'est OP. Après, le truc le plus OP quand même dans le jeu, c'est le stun. Hein. Je pense que tu fais rien de plus OP que le stun dans le jeu. J'aurais pu mettre un coup en plus. Ah. Vite. Voilà. Grâce au talisman, tes dégâts aussi. Ah oui, évidemment. OP, fais-le avec le build coup de pied. Le build coup de pied, j'ai trouvé ça un peu gaze, mais j'imagine que si tu rajoutes saignement là-dessus, c'est fort.
Ah moi je le dis, hein, les builds forts sont les builds les plus OP du jeu. Ah oh, c'était en deux. Stun ou magie ça simplifie trop. Bah magie ça dépend des boss qui te rush et tout, mais je pense que ouais, des builds magiques sont bien OP. Poison par contre c'est vraiment nul à chier. Ah ouais? Je sais pas, jamais joué un build poison, ça m'intéresse pas. Y'a des builds saignement plus congélation égale Omega Broken. Ah ouais, tu peux faire les deux? Là tu fais proc un truc de saignement et de congélation, c'est ridicule. C'est à moi, je fais pas partie de la team. Merde. Je fais pas partie de la team, ouais, vous jouez un truc OP, c'est abusé, j'en ai rien à foutre. Je joue comme tu veux. Si ça t'amuse, c'est fine. Y'a des builds plus forts que d'autres, mais Osef. La Death Poker, c'est quoi la Death Poker? Ouais, je savais. Attends, je suis mort là, non? C'est bien ce qui me semblait. J'ai pris le coup en même temps que je l'ai passé en P2. Donc ça m'a tué après la cinématique. C'est une arme congélation de speedrunner, ok. Bah, ton masque trouve sur un nécro-burn en Kaelin. D'accord, ouais, j'ai jamais joué. Ok, clean. Ah. Ah. C'est ça que tu fais maintenant? C'est ça que tu fais maintenant, mon salopard? Mais ça, vraiment, si je dodge au dernier moment les deux coups. En fait, faut que je roll plus tard. Si je roll un peu plus tard, je dodge 2. Je dodge 2. Et si jamais je me prends pas le hit stun du coup d'avant, eh bien, je peux du coup dodge le cinquième coup. Quoi? Il veut pas jouer là? Ah ouais, d'accord, je fais ça. Direct! Il a pas eu envie de sauter là. Hein. Moi ça m'arrange, ça c'est bien aussi pour commencer. Ah, je suis trop proche. Ouais, je suis trop proche. Ah, je savais que j'allais prendre l'explosion, j'étais trop mal placé. Oh non, ça va. Un peu panicroll ici, mais ça va. Ok. La phase 1 de ce boss, quel plaisir, ouais. Un peu trop facile à paix, hein. C'est la P2 qui pète les couilles. La P2 il fait trop mal, je trouve. Ok, là c'était clean. Oh putain.
Proto. Proto. Quand il va dans les airs, faut vraiment que j'arrive à dash le dernier hit là. Parce que là, c'est 1, 2, 3, 4, ça enchaîne direct. Frère, la P2, il y a des AOE après chaque coup, il y a les clones de Madara qui viennent t'harceler, comment faire, je te jure. Et là, tu évites un coup, tu crois que t'es safe. Non, non, tu prends une explosion au sol qui pop en delay, c'est un cauchemar. C'est roll gauche, ça, mais bon, c'est pas grave. Ah. Voilà, peut-être proche. Ok. Les gars, je sens que je commence à passer en mode goat. Je passe en mode goat là. Je passe en mode goat, c'est tellement win. Je fais 400, hein. C'est quoi ces dégâts? Pourquoi je fais aussi peu? Merde, merde, j'étais pas en mode goat. J'étais pas en mode goat, il m'a trop enchaîné là. Et je pensais pas que c'était ça. C'est le prochain, hein. Le prochain, je suis en mode goat. Parce que tu fais des dégâts sacrés. Ah ouais, mais du coup, c'est pour ça que je fais 0 damage. En fait, en P2, je lui fais rien. Avec mes dégâts de foi de merde. OMG, il me faut une deuxième arme pour la P2. Le problème, c'est que j'ai des dégâts sacrés sur toutes mes armes, je crois. Ça aussi, c'est sacré, hein. L'espadon de la damnation. Fixe doré. Des dégâts sacrés, ça, ou pas? Des dégâts sacrés, ça. En vrai, c'est feu aussi, un peu. Damoiselle sacrée, j'ai que des armes sacrées. C'est FF. Notre paire de chakras, mais utilise un weapon art différent. Mais j'ai pas l'autre paire de chakram. J'ai que ça en chakram. Ah, j'ai les griffes nocturnes aussi sinon, mais bon. Et j'ai le jeu de Dane, mais le jeu de Dane faudrait que je mette de la glace et tout. L'épée nocturne, elle est trop stylée l'épée nocturne, je trouve. L'épée nocturne est trop trop belle. La damoiselle sacrée, le problème c'est que tout est sacré là chez moi. Oh, c'est bon, ça va le faire. Les gars, je manque un peu de dégâts pour la P2, mais ça va le faire. Et puis Nocturne n'est pas sacré, oui, je sais, je sais. En même temps, Nocturne, c'est un peu l'opposé de sacré, quoi. Mais pourquoi il débloque des résistances au sacré, ce Golemon aussi? C'est ça le problème. Parce que c'est vrai que quand tu passes de 1400 la double attaque à 500, t'es en mode bon, ça te trouve un peu le cul quoi. Le buff inceste, hein, c'est réel, hein, c'est le buff inceste, il pète les couilles. Oui, c'est à cause de Mikaela, je sais bien, je sais bien. C'est abusé d'avoir un buff inceste, hein, ça devrait être un debuff, frère. C'est ridicule. Prendre ce feu est super cringe, genre. Regarde, 466. 466 ma double auto au lieu de 1500. C'est quoi cette connerie? Oula. Non, j'ai pas le temps de roll. J'ai pas le temps de roll. L'influence du gars de Game of Thrones, c'est vrai que monsieur George, il a bossé dessus. C'est pour ça qu'il s'est dit, on va faire des persos incestueux. Et en fait, quand ils ont le buff incest, ils sont trop OP. Moi, j'aime bien ça. Bizarre ce mec, hein, il faut l'envoyer en tôle. Hein. Moi, je dis, hein, George, attention ce mec.
On l'a forcé à finir son livre, c'est vrai. C'est vrai qu'il a toujours pas fini son livre. Hein. On a eu la fin de Game of Thrones, mais... Mais bon, quelle fin, quoi. Oh, quoi ? C'est réel, c'est 440 ma double auto là. Aïe. Oh, je le prends ça. Arrête. Ok, j'ai le temps de sortir. Non, ça va en vrai. Il a un buff de résistance, mais ça va. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Non, ça va, je fais 902 auto-attaque, ça va. Ça va de ouf. Juste que souvent, je le touche une fois, quoi. Aïe. Laisse-moi tranquille, frère. Laisse-moi... Il lance pile. Aïe. Non. Non, j'ai grid. La P1 est clean, tu l'arraches la tête. Ouais, en P1 ça va. Mais le problème c'est que je passe quand même de 1400 à 800 le double hit. C'est quand même une réduction assez énorme de mes damage. Là je fais nimp là. Même très institueux chez les Radagon, les réunions de famille ça doit être quelque chose. Il y a eu quoi? Bah il y a Radagon qui couche avec lui-même. Relana elle est en deçà. Enfin, Renala. Renala elle est en dehors de ça. Parce qu'elle elle sort de nulle part. Renala on est d'accord, c'est une meuf que c'est une sorcière qui s'est retrouvée Maria Radagon en mode vas-y et après il s'est barré quoi, c'est tout. Hein. C'est une pauvre vieille dame la pauvre. Elle a rien demandé. Elle se retrouve avec un clone. Un clone. Voilà. Relana c'est la sœur de Renala. Oui Relana oui. Enfin, Renala, la sœur de Relana, oui. Ah. Aïe. On soigne en... Oh, bâtard. Quel chien. Use. 900 big. Aïe. Non, j'ai parole. Là, je l'avais, ça c'était gratuit. Radagon, il a baisé tout l'or aussi, c'est vrai. Bah après, Radagon, il a baisé qu'il a baisé Renala et Marika, mais Marika c'est lui, donc au final, ça fait 2, c'est pas énorme. Relana amoureuse du fils Radagon, Mesmer aussi. Après, c'est pas dit non. Elle est juste, c'est pas juste une un soldat pour Mesmer. Elle est pas amoureuse. Y a rien qui dit qu'elle est amoureuse de lui, non? Oh, yeah. Tellement mort. Ce travail est tellement doomed. Ah ok, bon il m'a tapé tellement long. C'est une théorie moi hein. Avec la description des épées de Relana. Ok on va voir. J'ai ces épées, donc on va regarder si jamais il y a cette réalité. Alors son porteur nanana. La lune et le feu furent à jamais réunis. Ouais. Si jamais tu pars de à cet instant précis, la lune et le feu furent à jamais réunis pour dire que Relana était amoureuse de Mesmer, sachant que le feu ça peut être ouais non le feu c'est Mesmer quand même, mais bon il faut quand même aller le chercher loin quand même, faut quand même aller le chercher loin le truc hein. Ça veut pas dire grand chose non plus, je suis d'accord hein. Ça veut pas dire non plus énormément de choses hein. J'ai pas pris le stuff de Relana.
Il y a un système qui dit qu'elle a tout abandonné pour aller avec Mesmer. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle est amoureuse. Ça peut être très bien en mode loyauté en tant que soldat. Parce que c'est une soldat avant tout. Les gars, vous aimez trop faire des films. Eh, c'est pas parce qu'une meuf vous a dit bonjour qu'elle vous drague. Hein. Ça marche pas comme ça, les gars. Ne soyez pas ces cringos. Aïe. Oh, chatte. Quand le coup il part dans le vide, j'ai trop le seum. Wow. Non, je suis tellement dans la merde là. Aïe aïe aïe. Ah, ouais. Oh, vas-y frère. Oh. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, j'ai troll là. Il te flippe en mode chef custo cuisinata pour le spectacle, je te jure. Il m'a balancé dans le air comme si j'étais un vulgaire steak. Quand tu sais que tu vas te faire hit par la OE, c'est pas hors de tenter des coups. Pas vraiment, parce que le coup va se faire cancel. En fait, j'ai aucune posture aussi. Hein. C'est-à-dire que je prends un coup, ça me stun instant. Si jamais t'as une grosse armure, tu peux tanker le coup et taper ensuite, mais moi, tous les coups me stun. Donc ça sert à rien. Si je prends la OE, je peux pas taper. C'est... Oh non. J'ai pas de dégâts en P2. Ouais, ça me fait. J'ai vraiment pas de dégâts en P2. Proche. Oh non. Le problème, c'est que la P1, je fais trop mal. Et du coup, la différence entre la P1 et la P2 est tellement grande, ça me tilte. Après c'est normal vu que je tape sacré. Mais bon. Non non les gars c'est free. Hein. C'est gratuit hein. Après je fais quand même. Je fais quand même 800 en double hit. Hein. C'est pas mal 800 en double hit sans ouais. Bon c'est pas 1300 mais bon. Ouais j'abuse. Est-ce que je peux faire deux potions? Ouais j'ai le temps hein. Non. J'ai le temps très limite, mais bon. Ouais, c'est pas ridicule, hein. C'est juste 40% de moins, mais bon. Aïe. À voir 1000 loto. Ah ouais c'est pas mal. Ah 1000 loto. Une auto 1000. Ah aïe. Aïe, je suis trop dans la merde. Non, j'ai pas le temps. Mille loto, mais il a tellement vu que tu peux faire BOTRK. Ouais, non, mais oui, mais après ça va.
Tu as peur d'être déçu par The Witcher, il est peut-être trop facile pour toi. Bon, en vrai, de vrai, j'ai pas spécialement peur. Je sais que c'est pas un jeu dur, donc... En vrai, l'Astral Katana, ça a l'air pas mal, hein. Astral Katana Switch. Grand Katana. Après, je suis en charge moyenne, là, non? Non, je suis encore en charge légère, ça va. J'ai juste à Switch pendant le boss. Ok, vas-y. La technique a l'air pas mal. Confirme que le boss est plus dur que Malenia. Je sais pas, je sais pas. Je... Ouais. En fait, Malenia, tu peux trop facilement la cheese. Lui, c'est plus dur à cheese. Ou en tout cas, j'ai pas le build pour le cheese, j'imagine. Parce qu'il doit être cheesable, hein, le boss. Tous les boss sont cheesables dans le jeu, donc. Mais à une distance comme ça, hop. Non, je suis mort. Oh, même pas. Ah, je suis mort. Je suis relevé trop tôt. Cheesable, c'est-à-dire, genre avoir un truc, un build qui le déchire sur Malenia, par exemple, arme lourde sur Malenia, c'est ridiculement OP. Dans le sens où, elle se fait stun tout le temps. Genre, tu l'empêches d'attaquer tout le temps. C'est n'importe quoi. Et oui, les difficultés max, moi j'aime pas les difficultés max en fait qui rajoutent des barres de HP aux mobs. J'aime bien les difficultés où en gros ça rajoute des patterns aux boss. Genre par exemple sur Sekiro, quand tu refais les boss en mode, tu sais, dans les souvenirs et tout, les boss sont plus durs mais ils ont des nouveaux patterns. Et ça je trouve que c'est de la bonne difficulté. Mais rajouter genre des HP à des boss, je trouve ça gaze. Pour faire genre c'est plus dur, je trouve ça gaze. Proche. Parce que c'est faussement plus dur, c'est juste plus long. Elden Ring sur PS4 aussi, ouais je crois. Hein. C'est sur PS4 aussi. J'ai pas pris le katana de Rakshasa parce que je prends cher avec le katana de Rakshasa. Je vais tester des trucs de fou. Tu veux sauter dessus, c'est moi qui te saute dessus, cousin. Ah, l'attaque sautée strong, peut-être pas le meilleur plan de ma vie là. La plus élevée, plus 80% HP ennemi, 230% dégâts ennemi, et moins d'XP. C'est vraiment de la difficulté de merde. Hein. Ça, tu vois, je trouve que c'est de la difficulté nulle. Après globalement tout le gameplay de The Witcher 3 est nul, ouais ils sont nazis. Bon c'est pas grave hein. On n'y jouera pas pour le gameplay. On essaie de s'y faire. Ça risque de me faire mal, mais bon. Je suis pas mort là. Bon, j'ai pas le droit de faire des attaques lourdes non plus. Aïe. Voilà. Ah oui. Ouf. Oh ouais. Sérieux, tu le fais ici? Un connard. Il m'a trop baisé.
mettre un deuxième hit. Oh merde. Faut que je sois plus proche. Faut que je sois plus proche. J'ai surtout passé du gameplay de Elden Ring à The Witcher 3, c'est littéralement opposé, ça c'est sûr. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. Même Cyberpunk, j'ai trouvé le gameplay vraiment incroyable. Cyberpunk, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le gameplay était dingue, t'avais tellement de différences d'armes, etc. Je trouvais ça trop cool. Ouais, j'ai fait Dark Souls 3 et Sekiro. J'ai pas fait Dark Souls 1, Demon Souls et Dark Souls 2. Mais dans un sub les gars, dans un sub on fait Dark Souls 2, abonnez-vous hein. Tellement de range par contre avec cette arme, c'est un bonheur. Aïe. No grid. Un coup, une potion. Ah. J'aurais pas dû mettre cette potion. J'aurais pas dû mettre ce coup. No grid mais un coup alors que ça sert à rien. Bloodborne ne tente pas, j'attends qu'il y ait un remake de Bloodborne pour le faire en 60 FPS parce qu'en fait un jeu en 30 FPS c'est impossible pour moi. C'est vraiment impossible pour moi un jeu en 30 FPS, merde. Tu es gauche? Non, je suis pas gaucher, je suis droitier. Comme 99% des gens je dirais. Ne pas confondre avec de gauche ou de droite. Évidemment. Oh, abuse! Abuse du grave, frère! Oh! Hey, t'as capté que ça marchait plus, hein? Ah, merde, ça par contre, ça marche encore, ça. N'empêche, avec les résultats récents, je vois plein de cas de gens qui se font insulter genre dans la rue comme ça maintenant, genre sans gêne. Et ça, je trouve ça ouf. Ça, je trouve ça dangereux, ça. Premier degré. On n'est pas là pour parler de politique, évidemment. Mais voilà. Faites attention à vos choix de vote et ne soyez pas des connards qui discriminent une partie de la population, évidemment. Ah, je parle trop tôt. C'est ça, il y a des gens ils se disent bon non bah c'est bon hein. Genre allez, j'ai le droit de dire ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Moi ça n'est pas encore arrivé. Et heureusement. En même temps je sors jamais de chez moi donc ça peut pas trop m'arriver en réalité. Les rares fois où je sors de chez moi c'est pour aller au loco. Donc je croise littéralement zéro personne. Deux hits? Non, un hit. Pas deux, ouais. Ah, je roule trop tôt. Une seule potion, pas deux. Enfin, une seule potion, pas deux hits. Wesh.
What the fuck, il a tellement temporisé son coup. Oh, il s'est tellement foutu de ma gueule, je suis tellement dans la merde. Oh le bâtard. Heureusement il a pas fait le coup direct. Ah. Non, j'ai pris l'explosion, j'étais trop loin. Ok. La gauche, c'est pas tout beau non plus. Non, mais évidemment, il y a rien de parfait. Mais il y a des trucs qui vont moins discriminer certaines parties de la population que d'autres. Voilà. Je suis pas en mode vous dire quoi faire, quoi. Je suis pas là pour ça. Plus de faire attention à ne pas voter. Certains trucs surtout. Oui, c'est ça, il n'y a rien de parfait dans la politique, on le sait. Hein. Regarde, si c'était le cas. Si c'était le cas, les gars, les vols, ce serait pas si compliqué que ça. Hein. Faut juste voter le moins pire, c'est tout. Hein. C'est triste à dire, mais c'est une vérité, tu vois. Ah, on... ouais, je... Aïe. Ouais, j'avais buffer mon coup. Surtout, tout le monde pense pas pareil. Oui, c'est sûr, tout le monde pense pas pareil en plus. En plus de ça. C'est quand The Witcher 3 là, là, après ce boss là, t'inquiète. Ah, c'est finito là. Mais c'est vrai que je vois tellement de gens qui se font endoctriner par les news de la télé, etc. Ça, c'est trop une dinguerie. Le problème, c'est aussi ça, tu vois. Genre, quand tu connais pas trop, tu vois. Tu crois ce qu'on te dit, tu vois. C'est rôle gauche ici. Le fight est trop bien. Je trouve qu'en termes de danse, la P1, c'est un petit poulet. Ça glisse. La P2, c'est fou. La P2, c'est sport, on va dire. Ah, on fait la même. No grid. Une potion, on recule. On a pris un hit. Un coup seulement. J'aurais pu en mettre deux. Dégoûté. Non. Oh, c'est abusé, ça. Ça, c'est abusé, ça. Ça, j'ai encore du mal à comprendre comment dodge les 4 coups. Parce que là, c'est pas le truc où tu fais 1-2, 1-2. Là, c'est 1-2, 3-4, explosion, roll au sol. Ça, c'est vraiment un cauchemar. Hein. Ah, c'est qu'il veut pas stun. Ah. Ah, je me suis branlé là. Ah, je me suis branlé là. Hein. Ouais. Mais encore. En Belgique, la politique, c'est comment? Il me semble en Belgique, je crois que c'est ok, hein. Il me semblait. Ah, pas P2 encore. Dégoûté.
Je crois que c'est pas trop la merde là-bas. Ils ont pas eu de gouvernement pendant un an. Ouais, mais là je crois que maintenant c'est bon, non? Tellement de range par contre avec cette arme. Oui. Auto, à chaque fois je me fais avoir par ça. À chaque fois je me fais avoir par ça. Mais en vrai je le sens bien là. Au grand katana. Comme ça on terminera comme on a commencé le DLC. Grand katana tueur de dragon. Le droit de vote, c'est tellement tôt. 16 ans, tu connais rien, tu comprends rien. Même 18, je trouve que c'est trop tôt en vrai. 18, t'es là. Tu penses à jouer à Beyblade. Prends pas les couilles, frère. Moi, je suis honnête, hein. À 18 ans, j'allais pas voter parce que j'en avais rien à foutre, hein, frère. J'en avais vraiment rien à faire, hein. Je vais pas faire l'acteur en mode ouais, 18 ans je connaissais déjà ce que je voulais, non, j'ai pas l'idée. Après moi je suis pas des mecs qui vont vous dire ouais, faut s'intéresser et tout, c'est toujours mieux de s'intéresser à la politique et tout, mais je comprends aussi les gens qui sont pas intéressés du tout quoi. Ah. Oh putain le bâtard. Ouais, j'avais. C'est quoi ça? Hey, quoi? Oh, il me l'a jamais fait aussi proche. Non, j'étais trop loin. Il me l'a jamais fait aussi proche que j'étais en mode. C'est quoi comme attaque? Je comprenais pas. Vraiment, j'étais là en mode. C'est quoi cette attaque? Je perso, j'étais intéressé hyper tôt et je me suis bâché par ma mamie en mode laisse ça au grand. Ah oh non, mais c'est très bien, justement. C'est très très bien de s'y intéresser tôt. Y'a aucun mal, c'est même plutôt mieux. Juste que quand t'es plus jeune, il y en a plein où ils s'en foutent, c'est pas. Ça les intéresse pas. Moi, genre, j'étais là, je venais d'avoir le bac. Je voulais réfléchir à quelle étude que je voulais faire. La politique, j'avais pas le temps de. Pas le temps de m'y intéresser, tu vois. C'est pas. C'est pas dans mon ordre de priorité dans ma vie à ce moment-là, tu vois. C'est normal. Ah. Même aujourd'hui, bah les couilles, non, mais c'est fine, hein. Y'a pas de mal, entre guillemets, hein. Je fais pas partie des gens. Je vais vous dire quoi faire, les gars. C'est pas mon rôle. J'en ai rien à foutre. Faites votre vie. Les gens, ils pensent trop. Genre. Vu qu'on est des streamers, des influenceurs, je sais pas quoi, genre on doit donner notre opinion sur tout. Je vous jure que non, hein. Il y a des trucs, j'y connais rien, je vais pas parler, hein. Auto. Oh, what? Ok. Ok. Ig. C'est un signe. C'est tellement la bonne. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la danse. Après, il explose tout autour de lui. Donne? Non. Double pote. Non, j'ai pris un coup, je vais jamais le prendre ce coup.
Ok, pas mal. Non, pas le propos. Non, le con. Trop proche. Ok, ça va. Oula, non, pas les croix, pas les croix, pas les croix. Oh sa mère. Non, pas les croix. Les croix, je m'y attendais pas. Oh, quand même grave. En gros, s'il te grave en P2, il te fait les croix. Et ça, c'est la merde. Ouais, bon travail, très bon travail. Je vais vraiment pas assez de damage, je trouve. Ah ouais, moi je trouve que je fais mal, hein. Moi je trouve que ça va, hein. Ah là, il m'a fait les croisés, il m'a bien nul, hein. Ah ouais, déjà les météores, abuse. Voilà. Je suis trop proche. Tu vas pas roll-in son grave, ça sert à rien. La paix est magnifique. La paix que je viens de faire là, elle est somptueuse. Voilà, je dis. Ah. Vas-y, lui. Ça. Aïe. Après l'explosion, ah, je roule là. Ça va. C'est le moment. Tellement mort. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Ok. A fait les boss optionnels type clan d'engage. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Tous les boss du jeu. Ouais, j'ai paniqué là, je voulais me heal. J'ai paniqué. J'ai fait 100% du jeu. Voilà. En Baradan, on peut pêcher Mickey là. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que c'est nous le goth après. Hein. Est-ce que je peux trahir Rani? Je crois pas. Je parle. Ok, là j'ai troll. Nanana. Alors, plein de personnes Solari, mais pourtant Solari en tant que tel n'a pas pris position. Parce que Solari, c'est pas pour nous, c'est pas à Solari de prendre position. Je pense que si les gens de Solari prennent position, c'est plus important et c'est mieux que la structure en elle-même. Tu vois. Niveau combien du coup maintenant? Je suis à peu près au même niveau qu'au début. Hein. Je suis quoi, 187? Oula. Oh merde.
va dans le mur. C'est une potion pour rien en HP, mais en vrai... C'est ça qui peut faire la diff de si je reste en vie ou pas. Franchement l'explosion, ouais, je suis trop proche. Tout dépend de là où je suis par rapport au boss. Merci à toi, je suis Maindiana pour ton sub. Merci beaucoup. Ça au début je galérais, mais en fait c'est bidon. En fait c'est bidon, je lui roll dessus. C'est free. Aïe. Ouais, je savais. En fait le truc c'est que des fois il se pose et il fait rien. Du coup je suis en mode, est-ce qu'il charge une attaque? Après ça si tu mets pas difficulté max sur The Witcher je comprends pas. Mais en fait le truc c'est qu'apparemment ça sert à rien. La difficulté max c'est plus d'HP sur les boss, plus de dégâts à la limite, et tu gagnes moins d'XP. Y'a rien d'intéressant dans le truc. Une fois que t'es off-timing, tu te les prends tous. Ouais, c'est ça le problème de ce boss-là. T'es off-timing une fois, t'es baisé. Mais je te jure que des fois, il dort le boss. Arrête de faire la grenouille, cousin. Qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, petit aparté, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui jouent à FF14 pour savoir si jamais je fais une guilde? Je voulais monter une guilde un peu sur FF14 là. Mais je sais pas si les gens qui veulent jouer. Est-ce que vous êtes sur Omega? Moi je suis sur Omega, c'est ça le problème. Pour les compagnies libres, je suis sur Omega. Aïe aïe aïe, Ragnarok. Après je peux toujours créer des comment ça s'appelle, Des Link Shell Intermonde quoi. Ouais. Auto la roll. C'est pour faire comme l'ancienne guilde de Sarlouem. Ouais, mais elle était pas gérée par moi. Elle était gérée par le Y. Et disons que au pire, je filerai le lead à un mec qui est beaucoup plus actif que moi, tu vois. Je suis sur Moogle, mais la majeure partie des gens sont sur Moogle, ça le problème. Il y aura des soirées RPSX dans ta guild, ouais, dans la maison. On va se mobiliser. On va acheter un penthouse à 100M. Et on fera du IRP tous les soirs. N'hésitez pas à rejoindre les guildes. Je continue la main story quest. Oh là, on Vmax, t'as même pas fini la main story quest. Plutôt que de jouer à tes jeux de noob là, tes jeux de weeb où il y a des meufs au gros sein. Vmax, hein. Tous les jours sur les jeux Yoverse, hein. La dinguerie d'être comme ça. Oui et. Non, tranquille, tranquille, t'as le droit. Il aime bien les gros bzaises. Mais je sais pas si des gens ont testé le Zenless Zone Zero ou je sais pas quoi là, le ZZZ, le nouveau jeu de Yoverse. Si c'est bien. Moi j'avoue que ça me parle pas, mais bon. Oula. Et merci à toi, Tikoz, pour ton sub. C'est quoi ça? Oh merde.
quoi, je l'ai là. Genre comment je l'ai pas ici? Pour moi la roll était bonne là. J'aurais dû delay un peu plus, je pense. Je dois delay un petit peu. Je dois enlever l'infusion sacrée pour la P2, il vient rester en bas. C'est pour ça que je change d'arme. En P2, j'ai pas de sacré sur le grand katana chasseur de dragons. Je pourrais prendre le Rakshasa, mais en fait, le problème, c'est que Rakshasa, bah, il fait même pas plus mal. Et en plus de ça, eh bien, je prends des dégâts supplémentaires. C'est pour ça. Mais mes dégâts, ils sont genre vraiment élevés ou est-ce qu'ils sont normaux? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment élevés. Mais peut-être qu'en fait, par rapport à tout ce que les gens ont dans le jeu, c'est normal, tu vois. Parce que j'ai l'impression de le dépop la P1, mais la P2, je te jure que je la dépop pas du tout. En P2, j'ai l'impression que je suis un clochard. Hein. Oh. Il a dodge la P2. Big. Non, j'ai pas le droit de prendre ça. J'ai pas le droit de prendre ça, pitié. Et en plus, le truc, c'est qu'il va me faire les coups dans les airs. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je savais. Witcher aujourd'hui, les gars, Witcher aujourd'hui, les gars. Il est 14h là déjà, mais putain. Tranquille, on va faire une petite découverte de The Witcher juste après, la team. Allez, arrête de vouloir me grab, ton connard. Ça arrive fort là. D'un coup, non, j'ai bien fait pas grid, j'étais tous quand même pris. Ça, regardez là, cours, 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 cours. Oh merde, ça a plus que ce que j'avais prévu là. Deux coups, 2 hits, big. Ah, auto. Un coup, recul. Ok. Magnifique. 2 coups. Boum, stun. Dommage, pas stun. Pas stun, pas saignement. Plus sa mère, frère. Oh non, là, il va me faire ces trucs de con là. Pas que je prenne de météores, sinon je suis. Bah, je suis mort. Si je prends météore, je suis mort. Parce qu'après il fait l'enchaînement et ça j'ai encore du mal à le dodge. Joue le gros gourdin. Ouais mais le gros gourdin les gars... C'est trop broken frère. Tu lui mets 2 coups, il stun. Stun plus blood, c'était game. Ouais.
Gun plus Bloodline, il manquait 2-3 coups je pense là pour l'avoir. C'était pas mal en plus, là j'ai eu un bon pattern donc... Déjà. Et ben il est passé vite en P2 hein. Et t'étais pressé garçon. Je fais de paris, je ne parie pas. Je n'utilise pas la mécanique de paris sur Elden Ring. Ah, j'aurais pas dû mettre ce deuxième coup. Bon. Ok, pas mort. Dans une position, je suis trop con. Trop con. Okay. Non. Aïe. Aïe. Oh, il a pas fait les croix. Oh, il a fait les croix. Oh non, c'est les croix. C'est les croix. C'est les croix. C'est les croix. Quand tu te fais grab P2, je vous le dis, c'est les croisés. C'est les croisés direct qui t'attrapent. J'avais tout dodge, sauf le dernier hit. En fait, le truc, c'est qu'il y a des hits, je les ai pas assez vus pour les dodge. Mais si je prends pas le coup d'avant, je suis pas censé le prendre le coup. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'habitude de le prendre. D'ailleurs, Elfrim, il en est où, Axe, de son let's play Elden Ring là? Parce que bon. Bon, mais mort, mais bon, vas-y. J'imagine que Wax. Ça doit être quelque chose aussi. Ah, je suis proche. Trop chiant ça. Ah, je voulais voir si j'ai le temps de mettre un coup entre temps. J'ai pas le temps. Le display doit être des games de LOL. Ouais, ça doit être ça du coup. Ah, il veut pas lâcher League of Legends pour faire ses masterclass, hein, pour faire ses chefs-d'œuvre de jeux vidéo. Mais harcelez-le un peu pour qu'il fasse son let's play du DLC. Hein. C'est comme Undertale, il a pas fini Undertale et ça me dégoûte. Il a pas aimé Undertale, frère. Je n'en reviens toujours pas que des gens puissent ne pas aimer Undertale. Soigner, je t'en supplie. Ah, ça explose ça. Non. Bon, ouais, je vais le prendre celui-là. Allez. Allez. Allez, GG. C'est quoi ça? Ah, c'est l'écran, mais je suis tellement loin. Oh là. Il a tapé à côté. Mon perso a tapé à côté, le gros golemon. De mettre un deuxième coup, mais j'étais pas sûr. Allez, pas le droit de prendre un météorite, sinon je suis mort. Bah, si je prends pas le météorite, je me retrouve, je tank le hit, mais bah, ça c'est l'enchaînement. Auto. Mais ça, ça va. Non. Non. J'aurais dû avoir le dernier coup et me soigner. C'était bon. J'ai grid. Et que les viewers sont aussi addicts à LOL. Ouais, après ça c'est normal. Les viewers, en gros, on a une communauté très League of Legends, donc c'est logique. Et en même temps, c'est ce qui fait le plus de vues, donc il a raison de faire du LOL en vrai. Je troll, mais il a totalement raison. Et c'est quoi ta viande préférée, canard?
Eh, rôle gauche, évidemment. Toujours aller vers la gauche. Non, c'est vraiment pour les gouttes. C'est tellement cher par contre. Du coup, j'en mange très rarement. Mais putain, comment je prends un météorite ici là? Une météorite. Un météor, une météorite. Ah. Un seul coup sur ça. Ah, j'ai pas le droit de rester devant lui. On va soigner. Ok, pas le droit de prendre une météorite. Pff, on cavale côté, 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 côté. Ok. Ok. Comment je prends ça, frère? Oh, je suis à une main, putain. Je suis à une main. Non! Ça m'a dérangé. Et merci à toi, Hera, pour ton 21e mois d'abonnement. The Witcher 3 à 13h, ça arrive. Ça arrive fort, les gars. Les gars, ça arrive là, juste après ce try. Ok. Les gars, il est quelle heure? J'avais prévu de façon de commencer The Witcher vers 14h, enfin 14h25 environ. Donc là, il est 14h03. Ok, nickel. Donc normalement, il me reste encore 3-4 tries et ce sera bon. En fait, c'est dans mon timing. 13h, qui a dit 13h? Personne n'a dit 13h, les gars. Personne n'a dit 13h, la team. Hein. Je vois pas quand est-ce que vous avez entendu 13h. Moi, je pense que vous êtes fous. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le droit de faire ça. Ah. Difficulté max The Witcher. Je vais faire la difficulté qui est la plus fun. Une difficulté... En fait, le truc, c'est qu'apparemment, le gameplay de The Witcher, c'est pas son point fort. Et si jamais les mobs, c'est juste des sacs à PV parce que je mets difficulté max, j'ai la flemme. Donc, je vais faire normal. Je suis mort sur la P1. J'étais pas focus, la team. Mais oui, il est plus dur que Mine. Salut à toi, Grace Ware. Hop, hop. Un coup après les deux coups circulaires. Pour optimiser le DPS. Un coup, hop, il tape au sol. J'ai peut-être un coup avant que l'explosion arrive. Ouais, je sais pas, je pense pas. Ok. Ok, j'ai mon arme à deux mains. Ça cavale, hop. Ça roule, on attend. Je suis bien là. Les gars, je sais pas pourquoi je sens bien là. Je vais le stun. C'était pas mal. Je lui ai mis quelques dégâts quand même. Sa vie descend bien. T'as pas fait Baldur's Gate 3, d'accord, j'ai pas aimé. Je sais que ça choque beaucoup de gens, mais c'est typiquement pas mon genre de jeu. Et le pire, c'est que Divinity 2, j'avais plutôt bien aimé. Mais Baldur's Gate 3, j'ai accroché à aucun personnage. J'ai trouvé le gameplay en fight un peu trop lent, un peu trop chiant. J'étais... Et pourtant, j'y ai joué 13 heures quand même. J'y ai donné une petite chance, tu vois. Moi, j'estime que quand t'as joué 13 heures à un jeu, t'as donné une petite chance au jeu. Parce que je voulais comprendre, tu vois, ce que tout le monde trouve au jeu. Mais pour moi, c'était... Ouais, c'est ça, c'était pas assez dynamique. Moi, je suis de la génération TikTok, la team. Moi, je suis un TikToker. En vrai, pas du tout en plus, c'est ça le pire. Merde, mais j'ai pas le droit de taper ici. Comme on a donné sa chance à Undertale, exactement. Il a le droit, après c'est fine, hein. On voit que ça a le droit de pas aimer Undertale. Il a juste des goûts de merde, quoi. Pas P2 là? Non, j'ai pas rôle ça. C'est fine.
En fait, moi je pense que ceux qui ont aimé Baldur's Gate, c'est les casus, tu vois. C'est les mecs qui aiment pas le jeu vidéo vraiment, qui aiment bien les films, tu vois. Qui aiment bien les bons livres, les bons films, mais ils aiment pas le jeu vidéo, tu vois. C'est pas des vrais gamers comme moi, tu vois. Mais bon, c'est fine, vous avez le droit. Vous avez le droit d'aimer Baldur's Gate 3, vous êtes juste pas des joueurs, quoi. Vous êtes des narrateurs, vous êtes des réalisateurs à la limite. Mais bon, c'est fine. Après, le cinéma, c'est tout aussi cool, hein. Vraiment le rageux de Baldur's Gate 3, alors qu'en vrai, de vrai, je sais que c'est un très bon jeu. Hein. Juste, c'est pas un jeu pour moi, quoi. Ah. Aïe. Oh, cousin. Non, je parle de mourir, quoi. Undertale, commune la plus concernée, on le rappelle. Moi, mon let's play, c'est super bien passé. Il s'est trop bien passé mon let's play Undertale, vraiment hein. Mais les gens ils sont en mode la commune Undertale c'est l'enfer, moi j'étais en mode mais ils sont trop cool. Ils sont vraiment cool. J'ai fait Pillar of Eternity non. Tant que Roi Bezer tu m'as pas fait faire beaucoup de JDR. Non je ne suis pas un troll des cavernes en effet. Je ne suis pas un puant en effet, je n'ai pas fait de JDR ouais. Je trouve ça cool les JDR, mais en vrai, l'image des gens qui font du JDR ça me termine à chaque fois. C'est vraiment les puants. Merde. Oula, oula, qu'est-ce que je branle? Bon courage pour péter la gueule à cette sale bête. Ouais, là j'ai une semaine en plus de break, je suis un peu éteint. Mais il va tomber là dans les prochains tries, Kémis, t'inquiète. Là je l'ai là, regarde. Alors que Fibre Tigre, le GOAT existe, c'est vrai. Fibre Tigre, qui a fait des JDR d'ailleurs dans nos locaux. Il avait fait un JDR avec les mecs d'Hearthstone et tout. What? Oula. Oula. Non! Oula. Là, j'ai pas réfléchi là. T'es une chison, tu vas le faire foutre. Mais en vrai, qui est-ce qui a la communauté la plus choufin, vous pensez, dans les structures e-sport? Moi, je pense à Aegis. Voilà, je vous le dis. Moi, je pense que c'est Aegis. Les choufins, c'est les mecs, genre, qui boivent de la bière, qui font du jeu de rôle, tu vois, genre. Je sais pas si vous connaissez le terme de choufin. Mais allez, check choufin sur... test de choufin sur Google. Et vous allez voir si vous êtes un choufin aussi. Mais c'est Aegis 100%, une dinguerie. Ouais, ça joue avec les Solari, non, pas du tout. Un petit peu quand même, mais pas tant que ça, je pense. Après, c'est vrai que, à part Aegis, c'est nous. Hein. TDS ou Aegis? En vrai, non, TDS, non, c'est des... C'est des mecs du sud, quoi. TDS c'est clairement pas, je l'aimais pas choufin et tout. Je l'aimais pas du tout choufin TDS. MDR, oh Mandatory, oh, Mandatory Aegis ça se joue de ouf. Mandatory Aegis c'est sûr que c'est entre les deux. C'est la bataille entre les deux, c'est obligatoire. Ah, j'ai roll trop tôt FF. Ça va. Merci pour ça, c'est 2 hits. Ok, pas le droit de prendre un metteur sinon je suis dead. On y va. Et putain!
Est-ce que je peux pas juste cavale? En fait, ça dépend à quel point ça va loin cette attaque. C'est vrai qu'ils ont une team WoW, hein. MDR et une team WoW, les gars. Les joueurs WoW, c'est tellement les choufins, c'est une dinguerie. J'avoue que la torpille, c'est le bonheur, hein. Il te fait la torpille, t'es en mode let's go, c'est deux coups. Deux coups gratuits, tu prends, hein. Et Kémist, on m'a parlé d'un Sakor Skip dans mes DM. C'est une vraie take ou pas, ça? Parce qu'en gros, dans ma run, je suis mort en... Je suis mort et ça m'a débloqué le chemin vers Adan. Enfin vers Adan, vers Mesmer. What? Et en fait apparemment c'est un truc qui maintenant peut se faire et qui est utilisé dans les runs. Je suis mort. Je pleure. J'en pleure. Non ! Mais quoi ? Moi je le prends ça. Ok, je suis pas mort, je suis pas mort. Ah, je suis trop proche. Vous savez que moi le château de Mesmer c'est ridicule comme je l'ai clear, hein. Je l'ai fait à l'envers. Le château de Mesmer, je vous jure que je l'ai fait tellement à l'envers. Ah ah. Oh, ça c'est 1, 2, 3, 4. Ah non, oui, ça c'est bon. Ça c'est bidon ça. J'aurais dû me soigner, je suis trop un con, je suis un con, je suis un con, je suis un con, je suis un con. Non ça va, je suis le goat. Je roll ça. Comment? Oh oui, la potion, merci monsieur. Ok. Un, deux. Oui. Un. J'y veux pas saigner le cousin. Il veut pas, hein. J'ai grid. Mais frère, il veut pas saigner. Saigne à un moment. Tu prends des coups de katana de tueur de dragon. Comment tu saignes pas? Stun même. Parce que j'avais réussi à le stun à un moment. Je joue les trucs broken, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais que j'ai dit exactement la même chose. Quand j'ai fait Radahn la première fois sur le jeu de base, j'étais en mode mais le boss est gaze. Et là je me dis c'est exceptionnel, voilà, là je me dis le boss est exceptionnel. Merde. Attends mais j'ai le temps de mettre une attaque aussi entre temps, ok. Optimisation dégâts sur ce pattern là. Ça me grappe? Non il me grappe pas. Ah, roll gauche, évidemment. Explosion, je la prends, je suis pas derrière lui. En plus, il y a trop de moments où tu peux optimiser pour mettre un coup un petit peu par-ci par-là, c'est trop cool, je trouve. Il est vraiment parfait, le boss. Je trouve vraiment que le boss est parfait. No fake. Ah, tu vois, c'est deux coups, je sais que c'est deux coups. Je sais que c'est deux coups aussi. Là j'ai pas le droit d'être devant lui, c'est un coup. Là c'est zéro coup. Là c'est juste sa part là. Là c'est un coup. Non c'est deux coups. Non c'est un coup ici. Ouais.
Ah, c'est deux coups. Là c'était un. Là c'est deux coups normalement, mais vu que j'ai pris un coup, je vais me soigner juste. Un coup. Roll. Roll. Connard que je suis. Je saigne. Non. J'ai pas eu que c'était ça. C'est 1-2. Temps d'arrêt. 1-2. Temps d'arrêt. 1. Ok, c'était pas mal. Oh, c'est pas mal, les gars. On avance bien. Les gars, on avance très très bien. Si tu grilles pas, tu gagnes facilement, je pense, ouais. Je suis pas choufin. Non, arrête, Garno, tu es grave un choufin. Est-ce que vous avez fait le test? Eh, faites le test. Test choufin. Google, test choufin et dites-moi si vous êtes choufin. Moi, je suis un peu choufin, je l'admets. Je suis genre à 30, je crois, sur le test. La gridance. 39% yes life, 17% choufin, 4% choufin extrême. C'est quoi le choufin extrême? Ah, je suis trop mort. Il a dit choufin extrême. Oh, il a débloqué une nouvelle caractéristique. Ah merde. Là, c'est on passe en P2 un peu. Dans l'idée, je suis choufin, sauf que je suis beau gosse. Excuse-nous, Brad Pitt. Hein. Le mec, c'est Henry Cavill. Il fait trop le beau. Ressemble à un pouille RL. En full acting. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh, le fight est tellement magnifique. Oh, le fight est tellement magnifique. Je pleure. Je pleure devant ce poulet. Je pleure. Non. No grid. Le coup ici. Tiens, par contre, s'il te plaît. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la. Il s'envole. Oh merde. Oula. Il se passe quoi là? Oh merde, je l'ai vu. Ok, faut roll in. C'est quoi cette merde? Ok, c'est simple. Je roll in, je l'évite. Je spam roll in quand il tape le sol, c'est win. Les gars, c'est The Witcher à 14h30 comme promis, c'est réel. 14h30, ça arrive fort. Ah. Aïe. Non, j'ai roll à gauche, magnifique. Wesh. Non, je suis mort. J'ai pas roll à gauche. 47% S-Life, 23% choufin, 6% choufin extrême, c'est bien. Ça va, vous êtes pas trop des choufins. Moi je veux que Tenchi Zanchi réponde parce que c'est un fan Aegis. Je pense qu'il est au moins 60% choufin. Voilà, je le dis.
Ah par contre, voilà, Tenchi Donchi, 39% Yes Live, 26% Choufan, 6% Extrême Choufan. Putain, mais il y a des pourcents qui manquent là, non? C'est quoi le test? C'est le test de la chouffinerie, les gars. Bah, il est plus dur que Radan. Jamais. Jamais. Bah, il est trop facile. Bah, il est trop, trop facile. C'est une note tech de taré de dire ça. Merde, attends, je suis pas prêt. Cours, 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 cours. Ah, je suis choufin à 80, à 50%. Ah bah voilà, on a trouvé le choufin extrême, les gars. On a chouvé l'homme le plus choufin du chat. Après, grand respect à toi. Oula. Ça, j'avoue, quand je suis out, quand je suis out timing, c'est vraiment dur. Moi, je suis pas comme le reste des agistes. Déjà, je suis pas trentenaire, donc il y a un gouffre générationnel. Ah ouais, t'es pas trentenaire? Ah ouais, c'est abusé. Pas trentenaire, fan agiste, mais tu t'es perdu où, frère? Je sais pas, va soutenir JL, va soutenir les communautés plus jeunes, quoi. Il y a combien de questions à l'aide? Il y en a beaucoup. Oh, Kémy, ça doit trop être un choufin, je le vois trop être dans la choufance. Le crit du deuxième coup. Après les joueurs Souls, ils ont pas le temps pour être des chouffins, c'est trop des geeks. Ah, j'ai tellement le temps de taper, j'ai dormi là. J'ai pas focus, my bad. En fait ça dépend, déjà si t'aimes la bière. Ça te rajoute beaucoup de pourcents à la chouffinerie. Énormément. Après, si tu bois pas, déjà, t'es pas chouffant en fait, c'est simple. Bien, cousin. Merde, j'ai buffé un coup. Heureusement, il a pas tapé. Ah ouais. Merde. Ça marche pas pareil avec ces armes là. Non, je cours. Oh non, il va faire les croix. Non, il a pas fait les croix. Oh le bonheur, il a pas fait les croix. Ah, il fait les croix. Ah non, il fait pas les croix. No grid. No grid. Potion en chill. J'ai pas tapé depuis une demi-heure, voilà, je le dis. Mais vas-y! Enfin, explosion. Putain, j'ai pas eu le temps de dole. J'ai pas eu le temps de roll là. Ok. Je pense que si je joue safe comme ça, il y a un monde ça passe. Faut juste pas que j'oublie de le taper. 42% la team. 42% de chouffinerie. Ok, Mist. Quel chouffin. Ça se voit, il se regarde l'intégralité de Kaamelott tous les jours, le cous. En vrai de vrai, un mec qui je pense est chouffin de fou chez nous, c'est Narcus. Après on a Drijo, Drijo c'est le numéro 1 chez nous.
Ah ouais. OD doit être un sacré chouchou. Ah oui, OD de ouf. OD de taré. OD de taré. Oh. Mais en vrai, Kaamelott c'est trop bien, moi j'adore Kaamelott. Moi je trouve ça très bien Kaamelott. C'est pour ça que je suis un peu chouffin hein. Non mais j'ai pas le droit de mettre deux coups ici, putain. Non il remet, il veut hein. Tars c'est encore pire. Je pense entre Tars et OD. Je sais pas lequel des deux est le plus chouffant entre, entre Tars et OD. Parce que OD il connaît littéralement toutes les marques de bière. Mais genre tu lui fais un blind test des bières. Il te met à l'amende. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense vraiment que OD c'est le numéro 1. Non je pense OD est numéro 1. C'est le numéro 1 des chouffants de chez nous. TPK c'est un chouffant de taré. En plus OD c'est un fan de JDR et tout. Non c'est un chouffant de taré. OD vs TPK vs Shun, la chouffinerie s'en souviendra. Oui. Je pense qu'il y a un gros duel, mais je pense quand même que OD les fume. Vous vous rendez pas compte du level d'OD sur ça. C'est du jamais vu, genre vraiment. Putain. No grid, 2 hits. Stun. Non, il est pas stun, gros connard saute. Tu vois là il a bug, là il faisait rien du tout. 1, 2. Oh j'aurais dû taper. Putain j'aurais dû taper. La barre de stun va descendre, j'ai le seum. Allez je ramasse ça pour la forme. 1, 2, un coup. Seum. Ok. Un coup. Deux coups. Pas stun. Comment ça pas stun? Comment? Non. Oh non, je suis tellement dans la merde. Je suis trop dans la merde. Bon, ok. Pourquoi il est pas stun le couze? JDG c'était le chouffant originel mais son remplaçant maigre et plus modéré maintenant. C'est vrai que depuis que JDG a été remplacé par un JDG artificiel, eh bien c'est vrai qu'il est un peu moins chouffant. C'est un peu comme le soleil vous savez. Quelle heure The Witcher? Juste après là, après cette run là. Après ce run, c'est l'heure de The Witcher parce que là je le tue. Regarde là je le tue sur ce try. Et après on part sur The Witcher, on chill non? Croiser un menteur, regarde si je suis un menteur maintenant. Si je le tue vous abonnez tous. Ah. Vous aviez raison c'est perdu. Je le donne avant 15h, je le give 10, vas-y. Ok, full tryhard. Y'a que ça qui me parle en fait. Ok, je suis mort. Ok, GG. C'est pas ce try là, team. Aïe. Dans le vent, le seul.
Ok, ok. Ok. Ok, full focus. Full focus, les gars, pour les subs, allez. Tu vas faire Red Dead Redemption 2. Non, j'ai pas fait, mais peut-être qu'après The Witcher, on fera Red Dead 2. J'ai regardé 5 streamers tenter de battre ce boss, j'ai jamais vu mourir, j'aimerais bien le voir en live. Bah là, t'inquiète, vas-y, prochain try. Prochain try, il meurt, là. Avant les 250 tries. Bon, avant les 250, ça va être chaud, parce qu'il reste 3 tries, mais bon. Putain, coup de con. On y va. We're chilling, guys. Non. Ok, we are not chilling. We're dead. We're dead. Putain, we're dead. Je dois le tuer avant combien? 26 minutes? Ok. Pour 26 minutes, allez. 26 minutes pour 10 subs. C'est 20 pétards dans ta poche, ça quand tu te donnes à fond là. 20 pétards, c'est 4 kebabs. C'est une semaine de course. Une semaine de course, les gars, moi je paye que dalle. J'ai la cantine Aldi déjà, donc ça aide un peu. Et en plus de ça, je n'achète que des petits prix, que la marque pousse. Ok, les deux. Pourquoi je suis accroupi, frère? Relève-toi, cousin. Non. J'achète pas de viande. Si j'achète de la viande, de la marque pousse. À mon magasin Aldi. Ça coûte que dalle. Non, j'ai grid. Putain, je devais attendre. Je suis trop proche. Enfin, je suis trop loin. Ok. C'est vrai que ça fait maintenant longtemps que c'est plus 4 kebabs, c'est réel. Après, j'ai dit 13h. J'ai pas dit, c'est vrai, j'ai pas dit le fuseau horaire. Ça pouvait être 13h, heure américaine. C'est ça exactement, hein. La viande datée qui est à moins 50% parce qu'elle se périme dans la journée, que je mets au congèle, mon gars, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on connaît, hein. Je suis sera, oui, je suis sera. Non, abuse. Ça me touche, ça. Dieu bénisse les dates courtes, c'est réel, hein. En fait, le problème c'est que quand je change d'arme, ça me change mes timings. Parce que des fois j'ai des timings d'attaque avec mon avec mes chakrams que je n'ai pas avec mon katana. Parce que l'auto-attaque du katana met plus de temps à sortir. Au début je contreprenais hop, là maintenant c'est free win. Oh ouais, tu me grappes d'ici toi. Ah puis tu grappes, hein. Non j'en ai. Oh. Ok, là c'est le moment où je vais faire attention. Cours bien en diago, cours bien à droite. Après il fait ça. Trop tôt. Putain, j'ai roll trop tôt.
En fait, il faut que je continue droit à la droite, je pense. Hein. Si je continue droit à la droite, c'est bon. J'avais évité les 4 coups. J'ai évité les 4 coups et après, j'ai pris l'explosion comme un gros golemon, là. Ghost focus. Je joue parfum, c'est plus ton level. Non, non, t'inquiète. Moi, je suis un homme. Je suis pas le plus doué, mais je suis le plus déterminé. Tu pourras difficilement plus déterminé que moi. D'accord. Allez, Oli. Bah non, je suis plus sauf. Oli, y'a rien, y'a pas de détermination, y'a rien, c'est... T'adore quoi. Oh non. C'est propre. Bah ouais, un lit, tu utilises pour quoi? Pour dormir, frère. Merci pour cette phase là. Du coup, merci. Ok, merci. Du coup, en cul. Ok, merci. Le pattern de fou. Oh, le pattern de fou, frère. Non, il est pas stun. Non ! Un seul coup après le grab. Un seul coup après le grab. Ok. J'ai grid. J'ai grid le deuxième coup après le grab. Un seul coup après le grab. Ou une attaque sautée, je pense. Une attaque sautée, je pense, c'est... Attends. Un. Deux. Ok. Je vais faire une attaque sautée après le grab. Ok, c'est bon les gars, c'est win. J'ai capté. Je le reste en plus. J'aurais tellement baisé. Aïe. Entre les coups, enfin pas de coup là, je sais que je peux en mettre un mais j'ai pas le timing donc je vais pas le faire. Trop proche, les explosions. Et ma potion après. Et ça, j'ai fait grab deux fois, non j'ai pas fait. Je voulais faire le test au début sur mes premiers try mais là j'ai la flemme. Un seul coup ici. Frérot, ton perso tape au côté ce golemon. Là je sais que j'ai deux coups là. Là c'est deux hits, tranquille, au calme. Voilà, magnifique. Un hit, au calme. Un hit, au calme. J'en avais même deux mais bon. Deux hits au calme. Un hit au calme. Merde. Non. Non. Je stun. Stun. Oui. Là il saigne. Saigne. Il n'y a pas le saignement, frère, il veut pas saigner hein. Là c'est devant. Ok, c'est pas grave, j'ai pris un hit, ça va. Oh non. J'ai le temps de sortir, magnifique.
2, 1, 2. Explosion. Recul, potion. 1, 2, potion. Connard. Ok, j'ai le temps de faire une potion, j'en ai plus que 3. 1, 2. Pourquoi je le prends? Je suis trop loin. Ah, il va s'envoler. Ok, là faut que je regarde où il va. D'où tu viens, mon gars? Tu viens de là? Okay. Ok, c'est plus impressionnant que ce que je pensais. 1, 2, au sol. Ok, une potion. Et là, on a plus le droit de se faire toucher maintenant. Là, ça va. Oh merde, je pense pas que c'est ça. Grave, c'est un coup. À deux. Ah, j'ai le droit de mettre un coup. Ok. Un. Un. Deux. Explosion, hop. Deux coups. Deux coups ici. Un. Deux. Non. Oh non, pas ça maintenant. Pas ça maintenant, la team. Non, j'ai pris le coup. Ok, j'ai le droit de mettre un coup. À deux. Un. Un. Deux. J'ai le droit de mettre un coup. NON. J'ai mis un coup, j'ai roll. Normalement, ça passe, ça, sur ce timing-là. Non, ça passe sur ce timing-là, je le jure. Je le jure que ça passe sur ce timing-là. Qu'est-ce que... Comment? Pourquoi? J'ai mis un seul coup! Un seul petit de merde! Allez, c'est bon, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Pour le coup, là, no fake, je pensais que je l'avais. Ok, c'est bon. Ok. Big. J'ai mon shield, 12 potions. Allez, force. Deux coups direct, boum. 1, 2. Ok, attaque sautée. Boum. 1. 2. Un. Deux. Peut-être même 3, mais c'est pas grave. Hop, attaque sautée, bang. Oh non. Oh non. Non, il retape. Ah, quoi? Ah. Ok, je suis bien là. Les gars, je suis tellement dedans. Je suis tellement dedans, la team. Les gars, il est DL de fou malade. Et je vais le terminer en lui lançant un pot. Un grand pot du fourneau. Regardez, je vais tellement être en détente sur le boss que je termine avec un grand pot du fourneau, ok? Le dernier item, genre à dernier HP, vu que j'aurai encore 12 potions, sera en mode safe. Trop proche. Non, je suis pas trop proche, ça va. Le goat, les gars, je suis le goat. Je sens que je suis en zone.
Voilà. Voilà, déjà nos 8 P1, nos 8 P1, voilà. Voilà, katana deux mains, boum, on est bien. Grand katana, tueur de dragon, on s'avance. Ok, là il me saute dessus. Ok, il me saute pas dessus. Grand respect à lui. Ok, il m'aggrave. Oh putain, non, 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 pas ça. Oh non. Oh non, les croix. ...70% HP en un coin. No hit P2, ouais, je l'ai pas touché en P2, ouais, c'est ça, ouais. C'était bel et bien un no hit P2. C'est ça, la team. Vous êtes bien renseignés. Oula, j'aime pas trop l'angle dans lequel je suis là par rapport à ces météorites. Pas de P2 là? Ah ouais? Ah quand même, je sais. Ok, on est nickel. Tellement le goût. Ok, je suis le goût. Je suis tout le goût. Moi, je l'ai pas. Merde. Moi, j'ai plus d'endu là. Oh, c'est la merde. Ok, la team. Aïe. 100% le truc. Oh. Cette phase de Golemon là. Un Nujabes qui voit ses 10 subs partir, il a 9 minutes. Putain, 9 minutes pour le tomber, sinon j'aurais pas les subs. Allez, focus. Il y a 10 subs en jeu, putain. Allez, allez. Attends, je vois rien. 2 secondes, je suis pas prêt. Non. Ok, pixel. Là, le problème, c'est que j'ai des potions à utiliser là. Merde. Je suis pas prêt, j'ai pas encore mon arma de main. Ok. Bon, mon shield n'a servi à rien. Ok, ça on le sait. C'est le seul truc qui me baise là. Ok. Est-ce que je peux cavale, genre juste cavale vers l'arrière comme un gros connard? Je pense pas. Est-ce que si je roll away? Roll away? Non, roll away ça marche pas parce qu'il tape tout droit et il y a des explosions.